Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous à cette Xème édition de Lambda Remote. Donc, nous avons le très très grand plaisir d'accueillir Guillaume Claret. Donc, Guillaume Claret travaille chez Foubar, qui travaille essentiellement pour Nomadic Club sur la blockchain Tezos. Il va nous parler de CocoFoCaMel, qui est un peu l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire quand on a un peu d'expérience en coq, qui consiste à extraire des programmes au camel depuis des preuves coq. Ici, l'idée, c'est d'extraire du code coq depuis des programmes au camel. Et donc, Guillaume est assez connu pour avoir fait, entre autres, la bibliothèque coq.io. Ça date d'il y a très longtemps, mais moi, c'est comme ça que j'avais découvert son travail. Et je suis extrêmement heureux d'avoir enfin un premier talk dédié à coq. Et en plus, c'est OCaml qui est mon langage de programmation préféré. Et donc, comme il l'a dit pour ceux qui sont arrivés tardivement, en fait, il aime bien le fait que ça puisse être une conversation. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez soit les écrire dans le chat et je les remonterai, soit vous pouvez réactiver votre micro et les poser directement. Et donc, nous te laissons la main. Mille merci, Guillaume. Oui. Bon, merci pour l'invitation. Du coup, je vais présenter l'outil CocoFoCaMel. Traduction de code camel vers coq et son application à la vérification du code de Tezos, qui est une crypto-monnaie écrite en OCaml. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le langage camel, donc c'est un langage de programmation fonctionnelle typé, assez strict, mais qui propose aussi des traits impératifs et objets, ou qui est assez souple d'utilisation, qui peut être. Permet d'écrire du code relativement optimisé. Et c'est un langage essentiellement développé en France à la base, beaucoup utilisé dans le milieu de la recherche, et qu'aussi un certain nombre d'utilisateurs industriels, notamment Jane Street et Tezos, qui emploient, je pense à eux deux, plusieurs centaines de développeurs OCaml à temps plein. Côté ça, on a le langage coq. Ça, c'est un peu spécial. C'est. Un peu plus qu'un langage de programmation, c'est un langage qui permet de faire des preuves. Et de façon très vulgarisée, le fait de faire des preuves sur des programmes permet d'écrire des tests qui vont être vérifiés pour toutes les entrées possibles. Donc une limitation des tests, des tests unitaires d'intégration, type de tests possibles, qui vont marcher que pour certains cas particuliers qu'on aura écrit à la main ou générés aléatoirement. Mais on ne va jamais tout pouvoir vérifier parce qu'il y a généralement une infinité d'entrées possibles pour une fonction ou un programme. Et là, avec les langages de preuve, par l'utilisation de méthodes mathématiques, on va vraiment pouvoir vérifier que l'ensemble des cas satisfait certaines conditions qu'on souhaite vérifier. Ou avec le langage coq, on peut atteindre un très très haut niveau de fiabilité. Oui. Moi, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Oui, on t'entend. Ouais. Okay. Ok. C'est très bien. Donc, du coup, on peut espérer avec Coq obtenir des programmes avec presque zéro bug, une fois qu'on a vérifié toutes les propriétés qu'on voulait. L'inconvénient, par contre, c'est qu'on doit écrire les preuves à la main. Alors que une fois qu'on a écrit un test, il suffit d'exécuter le test et on voit si le programme le réussit ou pas. Là, il y a une part de travail pour expliquer au système pourquoi le test est en fait vrai dans tous les cas. Donc, le langage coq, il contient plusieurs sous-langages. Il a un sous-langage qui permet d'écrire des programmes. Par exemple, ici, on écrit une fonction de somme sur les arbres qui prend un certain. Une fonction sum pour un arbre tri en argument et qui en fonction de la forme de tri suivant si c'est une feuille avec un entier n il va envoyer n et si c'est un nœud avec deux sous-arbres tri 1 tri 2 il va faire l'addition de la somme des valeurs de tri 1 de la somme des valeurs de tri 2 ça c'est une fonction récursive comme dit le mot-clé fixed point. Du coup, dans le langage coq on va pouvoir écrire des programmes pour lesquels on veut faire des preuves. Un langage un peu restreint, mais quand même assez expressif. On peut le voir ici.
Par-dessus, on va pouvoir écrire des LEM. Donc, les LEM, c'est l'équivalent des tests en coq. Et ça va être des énoncés mathématiques qui vont permettre d'exprimer des propriétés qui peuvent être vraies dans une infinité de cas. Par exemple, une propriété qu'on pourrait vouloir sur cette fonction de somme, et qu'elle, quand on prend un arbre avec que des nombres positifs à l'intérieur, on voudrait que quand on calcule la somme des valeurs, le résultat soit forcément strictement supérieur à zéro. Ça, on va pouvoir faire un énoncé positif somme, un lem, puis apprendre un arbre quelconque en argument, il y a une infinité de valeurs possibles. Et on va dire que, supposons qu'on a une fonction qui teste et toutes les valeurs de l'arbre sont positives, qu'on appelle ispositive, on va dire que si ça c'est vrai, les valeurs de l'arbre sont positives, alors avec la flèche, on calcule la somme des valeurs dans l'arbre, on obtient quelque chose de strictement positif. Alors, je me permets de t'interrompre, parce qu'on a une première question qui est relativement technique de Sébastien, qui demande s'il ne faudrait pas avoir un NAT pour que le LEM soit vérifié. Oui, ouais. En fait, là, du coup, c'est pour ça qu'on rajoute l'hypothèse ispositive. Ah, d'accord. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des overflows. Là, effectivement, si on suppose que int, c'est des entiers non bornés. C'est ça. Alors, il dit, ah, OK, c'est une implication. Ah oui. Et ici, voilà, ici, on a le test de positivité. Et si toutes les feuilles de l'arbre ont des entiers positifs, alors on montre que la somme est positive. Effectivement, c'est le symbole implique mathématique. Merci beaucoup. Et là c'est la preuve qu'on peut écrire. Et du coup, contrairement à un test, on ne va pas pouvoir l'exécuter sur toutes les valeurs possibles, mais on aura un langage de preuve en coq. Là, je passe les détails. Mais où en gros, on va dire qu'on raisonne quel que soit l'arbre. Et ensuite, on va faire un raisonnement par cas en fonction de si on est sur une feuille ou pas. Et si on est sur une feuille, c'est directement vrai. Et sinon, on s'appelle récursivement. On raisonne récursivement sur les sous-arbres. C'est comme l'épreuve en récurrence en maths avec le cas 0 et n plus 1. Donc, le langage coq, c'est aussi une plateforme qui est relativement populaire. Donc, il y a d'autres systèmes comme coq, comme Lean ou Idris, etc. Coq, c'est plutôt populaire parce que ça existe depuis environ 30 ans. C'est aussi développé en France à l'INRIA, à la base. Donc, c'est utilisé un peu partout dans le monde. C'est beaucoup utilisé pour les gens qui font de la recherche en programmation. Ils écrivent des papiers, qui décrivent des systèmes de type et qui veulent vérifier qu'il n'y a pas de typo dedans. C'est utilisé pour vérifier quelques outils critiques, notamment CompCert, qui est un compilateur C écrit et vérifié en coq, utilisé par Airbus. Et aussi, beaucoup de gens utilisent le langage coq pour vérifier des théorèmes mathématiques qui n'ont rien à voir avec l'informatique. C'est comme en coq, on peut exprimer des propriétés des LEM arbitraires, en particulier pouvoir exprimer des théorèmes mathématiques et montrer qu'ils sont vrais, en vérifiant point par point les preuves sur papier, qui sont faites sur papier, et en demandant à l'ordinateur de vérifier qu'il n'y a effectivement pas aucune erreur. C'est vraiment plus laborieux, mais ça permet d'éviter, contrairement aux preuves écrites sur papier, ça permet d'éviter qu'il y ait des oublis. Donc, pour utiliser coq pour faire de la preuve sur les programmes et s'assurer que nos tests sont vrais tout le temps, il y a plusieurs techniques. Donc, comme généralement les programmes sont écrits dans des langages comme OCaml, Scale, Scala, etc., ce ne sont pas des langages d'épreuve. On peut soit décider de réécrire tout le projet en coq et ensuite d'utiliser de la traduction de coq vers le langage initial. Par exemple, le compilateur C CompCert, il a été écrit tout en coq. Il est compilé après vers CAML avec un système qui s'appelle Extraction.
Et du coup, les gens, ils éditent le code en coq et ils font leur preuve en coq. Et ça demande que toute l'équipe connaisse coq, à la fois ceux qui développent et ceux qui prouvent. Il y a des gens qui se servent de coq pour, à partir d'un système existant, le modéliser en coq et faire des preuves dessus. Donc, en modélisant en coq, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une version un peu prototypée, simplifiée d'un système existant pour que ce soit plus court à écrire. On va vérifier sur les grands principes que le code initial fonctionne. Donc, par exemple, si on veut vérifier des protocoles Internet, on peut implémenter des implémentations jouées de ces protocoles-là en coq, qui ne vont pas essayer forcément d'optimiser les choses ou de traiter tous les cas techniques, mais qui vont permettre après d'avoir une modélisation sur laquelle on raisonne pour s'assurer que le protocole est cohérent. Enfin, la méthode que je vais présenter, c'est ça faire de la traduction de OCaml vers du coq de façon automatisée. L'idée, c'est qu'on reste dans le langage de programmation dans lequel on a l'habitude de travailler, par exemple OCaml, et on va utiliser un traducteur, donc OCaml, qui génère le coq automatiquement, de façon à ce qu'on puisse continuer à coder en CAML, avoir le programme écrit en coq et généré automatiquement, et ensuite pouvoir faire des preuves dessus pour vérifier qu'on n'ait pas de bug. Petit coq of OCaml qui est disponible à cette adresse-là. Il est développé en open source, licence MIT, et est financé essentiellement par, intégralement par Tezos, la fondation Tezos, donc derrière la crypto-monnaie Tezos. Et le laboratoire Nomadic Labs, qui est un des endroits où des entités qui développent Tezos. Et donc pour l'instant, on s'en sert uniquement sur le protocole de Tezos, qui est le cœur de la crypto-monnaie. Mais en soi, il est ouvert à être utilisé à n'importe quel projet OCaml. Et on espère que ce soit le cas. Je me permets de poser une petite question. Oui. Si ça ne te dérange pas. Donc, je pense que coq, même si c'est probablement un des plus anciens assistants de preuve formelle, est-ce que c'est. Alors, je ne sais pas si c'est le seul qui fait de l'extraction, etc., mais est-ce que c'est une démarche qui est courante de considérer qu'en fait, on va traduire le langage qui, historiquement, est plutôt le langage cible vers le langage source, ou c'est vraiment totalement inédit? Alors, il y a des gens qui font ça sur du Haskell, le projet HS to Coq. Ce que j'avais entendu dernièrement, ils étaient allés un peu moins loin en termes d'utilisation. Travailler sur des fichiers plus petits, moins aboutis que Tezos. Mais ils avaient aussi cette idée-là. Et alors, d'où Mais vient voilà, l'idée donc. alors? Enfin, qu'est-ce qui a initié ce projet À la base, moi j'avais développé Coq of OCaml comme un projet d'expérimentation au cours de ma thèse pour avoir des exemples de code en coq correspondant à du code réel pour pouvoir voir comment on pouvait raisonner avec des effets dessus. C'était essentiellement un prototype à l'époque. Et là, l'idée, elle venait de personnes chez Nomadic Labs. Qui développe l'interpréteur du langage Michelson, donc le smart contract de Tezos, qui voulait avoir un moyen pour comparer cet interpréteur en OCaml et la version formalisée MichoCoq, qui permet de faire des preuves sur les smart contracts et s'assurer que la formalisation en coq est toujours à jour avec le code CAML. Et le projet est parti de là. Et au début, on a développé Coq of OCaml pour l'interpréteur Michelson. Et finalement, une fois qu'on gère le CAML qu'il y a dans l'interpréteur Michelson, on peut gérer le CAML qu'il y a dans le protocole Tezos. Et du coup, on l'applique à l'intégralité du protocole. Voilà, donc c'est vraiment venu d'un cas d'usage où on veut s'assurer que nos formalisations en coq étaient cohérentes avec le code CAML qui continue à évoluer. Fur et à mesure des nouvelles versions de Tezos. Ok, merci. C'est donc un projet très très inédit. Mille merci.
Donc là, on va donner des exemples de code. Ici, c'est du code CAML, où on définit un nouveau type des arbres, avec le cas possible, le cas feuille ou le cas nœud. Le cas feuille est paramétré par un certain type A, qui est un paramètre de type polymorphe. Ça peut être n'importe quel type, comme int, par exemple, qu'on a vu, mais ça peut être aussi des strings ou des booléens, ou peu importe. Et on a le cas nœud avec deux paramètres séparés par une étoile pour dire qu'on a un produit avec le premier sous-arbre et le deuxième sous-arbre. Le code en CAML typique, quand on le traduit en CocoFoCaML, ça va traduire la définition d'un tri en utilisant le mot-clé équivalent en coq faire les types algébriques et inductives. On va reprendre un peu la même structure. On va dire que A, c'est un paramètre de type polymorphe. Ça va être comme ça en coq. On va avoir nos deux constructeurs, lif et node, avec lif qui est paramétré par A et node qui est paramétré par les deux sous-arbres. En plus de ça, on va générer deux lignes en plus qui disent juste que pour nos constructeurs lif et node, on infère le type du paramètre, les accolades. C'est pour faire en sorte que le code généré côté coq se comporte pareil vis-à-vis de l'inférence de type que le code qui est en OCaml où tous les types sont inférés. Après, si on veut reprendre notre fonction de calcul de somme des éléments d'un arbre, en CAML, on l'aurait écrit comme ceci. Dans letrec pour une fonction récursive, somme le nom de notre fonction et après en faisant des matchs sur les constructeurs. Et là, le code, on l'a vu au tout début, est en fait généré par CocoFoCaML qui traduit automatiquement le code CAML en code coq. Donc on voit que le code généré est assez similaire au code initial. À la notation près essentiellement. Et une fois qu'on a le code qui a été généré en coq, là on peut écrire nos lemmes, nos tests et faire nos preuves pour vérifier qu'ils sont vrais tout le temps. Et si jamais le code CAML évolue, on peut relancer le script de traduction vers coq. On réobtient le nouveau coq qui a été un peu modifié si le code CAML a été modifié. On peut réexécuter nos preuves pour vérifier qu'on n'a pas eu de régression dans le code. J'ai encore une question. Désolé, hein, oui. Je suis un spectateur oui, insupportable. En fait, je trouve que l'exemple de traduction est extrêmement parlant, mais j'ai l'intuition qu'il y a des fonctionnalités de OCaml qui semblent oui. extrêmement dures à représenter en coq. Et je pense, par exemple, je pense qu'il doit être possible d'encoder des objets avec des encodages particuliers, mais genre typiquement tout ce qui est existentiel et JADT, ou même les first class modules en règle générale. Ouais. Et les effets. Oui. Donc du coup, tu vois, je vais écrire plus en détail ce qui est supporté et pas supporté. Mais effectivement, là on est dans un exemple assez classique de code CAML. Donc ça se passe bien. Mais dans le cas plus général, il y a plein de fonctionnalités CAML qui n'existent pas en coq, juste parce que c'est des langages différents, ou pour le cas des effets, parce que c'est interdit en coq pour pouvoir faire de la preuve. Et du coup, là, soit on va utiliser des hacks qui marchent dans, par exemple, 50% des cas. Ce qui est bien. Ouais. Soit on va demander à l'utilisateur de modifier le code initial. Soit on va faire la traduction à la main si c'est des fonctionnalités utilisées à un seul endroit dans le code, par exemple, on peut juste patcher la sortie pour faire la traduction à la main. Alors, on va essayer de se débrouiller comme ça, mais effectivement, on ne gère pas tout CAML et la plus grosse limitation, c'est les effets. On va reprendre du code CAML classique. Merci beaucoup. Les effets, c'est l'exception en référence. Merci. Et, cool, l'idée générale, ça va être d'essayer de générer du code similaire pour que le code coq général généré ait pu être écrit à la main. Donc, alors on essaie d'écrire du code coq tel que, en fait, un utilisateur il aurait pu le faire directement.
permet de toujours garder des idiomes classiques en coq et d'avoir du code qui est simple pour les preuves. Donc, s'il y a quelque chose qui est trop compliqué à traduire, on va préférer ne pas le traduire que générer un encodage complexe. Et du coup, pour ça aussi, on ne vise pas forcément à gérer tout camel. Donc, par exemple, pour l'exemple des objets, on demanderait sans doute un certain nombre d'encodages et du coup, on préfère ne pas le gérer et demander à écrire le code différemment. Et la principale application, c'est la crypto-monnaie Tezos et la traduction du cœur de Tezos qui est composée d'environ 40 000 lignes de camel. Ça, c'est le projet Top Tezos of OCaml. Je vais ouvrir. Voilà. Du coup, on va aller sur le site du projet. Là, c'est la taille en nombre de lignes de code coq généré, c'est 47 000 lignes. En rouge, c'est 7 000 lignes, c'est l'environnement qui correspond aux primitives. Donc les primitives systèmes pour avoir les types des listes, des entiers ou tout ce qui est les entrées-sorties pour faire des prints ou pour faire des entrées, faire des entrées-sorties. Ça, c'est des primitives qu'on ne peut pas définir dans coq, mais qu'on se donne sous forme d'axiome, généralement. Ça fait environ 7000 lignes. Et après, pour l'instant, le nombre de preuves est assez limité. Il y en a juste 3700 lignes. Donc on aimerait bien avoir un nombre de preuves, quantité, un nombre de lignes de preuves qui soit similaire à la taille du code, ça serait déjà un premier effort. Oh, je suis encore désolé. Hein. N'hésitez pas les autres si vous avez des questions à les poser. Hein. Mais je fais ça parce que Guillaume a dit qu'il aimait bien les conversations. Quand tu parles de lignes de preuves, c'est de lignes prouvées, un peu en coverage, ou c'est vraiment la taille des preuves? Oui, là c'est pour l'instant, c'est la taille des preuves. Du coup, on est assez pauvre au niveau de la mesure. Idéalement, il faudrait vérifier le nombre de lignes de code qui a été prouvées. Mais ça, on ne le fait pas encore. Sur l'effort. C'est une vraie question, parce que je n'y connais pas grand-chose en preuve. Hein. Mais est-ce que c'est une métrique qui est intéressante, le nombre de lignes de preuve? Ça, c'est surtout que c'est la seule métrique qu'on a aujourd'hui. Ok. Parfait. Mais je pense que c'est histoire d'avoir une idée de la taille de ce qu'on a fait. Mais effectivement... ce serait plus intéressant d'avoir du coverage comme pour les tests. Ce n'était pas une critique, hein. C'est vraiment de la curiosité. Merci beaucoup. Ouais. Et j'ai une question aussi, c'est toi. Du coup, là, tes graphiques, c'est quelque chose qui vit avec Tezos ou ça a été fait en one-shot et ça doit être refait à certains moments? Donc là, la traduction, on la relance à peu près toutes les semaines. OK. Et la traduction, elle ne marche jamais toute seule. Il y a toujours des petits changements à faire et on maintient un fork du protocole avec les petits changements qu'on fait de notre côté pour aider à faire passer la traduction. Là, on a publié un article de blog sur comment on avait traduit notre dernier article, c'est sur comment on a traduit les changements qu'il y a eu avec Thunderbeck, dernière cross-merge request. Pour les gens qui ne sont pas dans l'écosystème Tezos, Thunderbeck, c'est la future version du protocole Tezos. Ouais. Cool. Et donc, vous utilisez des records pour les functeurs OCaml? Oui. Oui. Classe. Là, je vais montrer l'organisation du code de Tezos. Donc ça, ça correspond au noyau de Tezos. C'est un seul dossier avec plein de fichiers qu'on peut voir. Une organisation totalement flat. Et si on prend un exemple de fichier, c'est un script comparable. Ici, peut-être grossir quand même. Je sais pas si c'est assez gros. Voilà, on voit du code camel de Tezos avec. Fonctions qui sont définies, des types pour définir un type de continuation, et là une fonction de comparaison, c'est un gros type de données, donc il prend deux valeurs en entrée qui renvoie un entier 0 si c'est égal, positif si c'est supérieur
L'entier négatif, c'est inférieur. C'est la façon dont on va faire la traduction, c'est qu'on va prendre tous les fichiers camel, on va les traduire de façon flat en des fichiers coq. Et donc, on a ici exactement les mêmes noms, mais en version coq. Par exemple, si on prend le fichier script comparable, on va avoir une traduction aussi où là, au début, on démarre par une fonction compareAdress qui correspond à la fonction camel qu'on a dans le code source de Tezos. Où là, par exemple, si on prend deux arguments, ils vont être cassés avec des lettres en coq. Et ensuite, on va avoir le if côté coq qui correspond à ce if côté camel. Donc, normalement, on peut vraiment comparer les deux codes. Et on va aussi traduire cette grosse fonction compareable. Là, je peux montrer un exemple de preuve qu'on a fait sur ce code-là. Donc, à chaque fois, on crée un dossier preuve qui est un peu l'équivalent du dossier test en camel. On va avoir un fichier de preuve par fichier de code. On va nommer pareil. Donc là, dans proof script comparable, on aura les preuves pour script comparable. Et notamment, donc on montre la principale propriété, c'est à la fin. On montre un lemme qui dit que notre cross fonction de comparaison qui est définie ici, elle est valide. Dans le sens où quand ça renvoie à 0, ça veut dire que les deux paramètres sont égaux. Quand ça renvoie à valeur positive, premier est plus grand que le deuxième, et réciproquement. Valeur négative, c'est le premier paramètre plus petit que le deuxième, et qu'on a bien une comparaison qui correspond à une relation d'ordre avec les propriétés visuelles de transitivité, symétrie, etc. Donc ça, on l'exprime en disant que quel que soit t qui correspond à ce paramètre-là, on va avoir la comparaison qui est valide pour ce qui est généré par ce qui est comparable de compare comparable. Et ici. Est-ce que vous avez déjà des métriques, des problèmes d'implémentation que l'ajout de preuve et enfin de lemme et de preuve ont apporté? On n'a pas encore trouvé beaucoup de bugs. Donc, mais en même temps, on n'a pas aussi eu le temps d'écrire de preuves. Donc là, ici, cette preuve, c'est une propriété qui était fausse à un moment dans Tezos et qui était à l'origine d'un bug. Du coup, dans ce code-là, c'est un code qui est écrit en style par continuation. Il faut appeler la continuation K à chaque fois. Il y a une ligne où le K n'était pas appelé. Et ça, CocoFoCaml l'a trouvé, quoi. Enfin, a trouvé le problème. Alors, oui. Alors après, le problème, il avait déjà été trouvé avant. Ça reste un bon cas d'usage. Par Tom Jack. Mais nous, on a... Après, on a vérifié qu'il n'y avait pas d'autres problèmes similaires dans ce code-là. OK. Et on a trouvé des bugs dans les data encoding. Donc, sur les fonctions de sérialisation. On veut montrer que la fonction, quand on sérialise et qu'on désérialise, on retombe toujours sur la même chose. Et réciproquement, quand on désérialise et qu'on resérialise, on s'est retrouvé le même code binaire. Voilà, c'est essentiellement ça pour l'instant. Et sinon, quand on fait les preuves, des fois, on voit des choses bizarres dans le code en termes de style de code. Et ça, on le remonte. Mais ce n'est pas forcément des bugs, c'est plus des choses qui apparaissent comme bizarres. Et au moment où on fait la preuve, quand on est un peu gêné, généralement, c'est que le code est inutilement complexe et ça, on le remonte. Donc là, si on voit la définition... Oui. Non, vas-y. J'ai quelques questions un peu techniques, alors je sais peut-être le moment. Une des premières questions, c'est que j'ai vu dans le code que vous générez, il y a une annotation de pour la récursion, pour que Coq sache quel argument réduit structurellement.
Oui. Comment est-ce que vous trouvez ça dans comment moi je sais pas comment vous arrivez à trouver ça en gros. Oui. Alors là, dans ce code-là, on désactive les vérifications de terminaison et on demande. Faudrait que je retrouve le. On traduit un fork. En fait, on traduit un fork de ce code-là où il y a quelques annotations en plus et on le dit explicitement sur quel paramètre Ok, on fait la récursion. Mais généralement, soit on l'aide, soit on désactive les vérifications de terminaison côté coq. ouais. Ok. Et j'ai aussi fait ce genre de truc où je traduisais d'un langage vers Coq. Et je sais que j'ai eu d'autres D'accord. problèmes un peu idiots. Certains problèmes, c'était D'accord. juste qu'il y avait des noms de variables, genre AT, qui en Coq étaient des mots réservés. Est-ce que vous avez trouvé ce genre de problème aussi ou Oui, vous êtes déjà ouais. Ok. effectivement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de ne pas générer de nom lors de la traduction pour éviter de complexifier la traduction et aussi pour éviter d'avoir des numéros dans le code généré qui pourraient être changés si jamais on ajoute une ligne côté camel, que ça décale tous les numéros d'un cran, par exemple. Donc ce qu'on fait, c'est que quand il y a des mots-clés réservés, on les suffixe. Et pareil, il y a des collisions de noms aussi en camel. On peut utiliser le même nom pour un type et pour une valeur. Par exemple, on peut appeler une Ah valeur oui. liste comme type liste. Coq, ce n'est pas possible. Et du coup, là aussi, on a une liste de valeurs qu'on suffixe. Cool. Et un autre problème que j'avais, et vous, ça a l'air très propre le code coq que vous générez. Un problème que j'avais, c'était en gros gérer les implicites. Et du coup, moi, je générais du code toujours explicite pour que ce soit très simple à savoir quelles annotations de Oui. type sont nécessaires. Oui. Là, nous, ce qu'on fait, c'est que au niveau des annotations, on les met sur les définitions qui sont à top level. Donc, par exemple, ici, on a une fonction lazyXValue avec un paramètre ext. Là, on la note avec son type. On la note le type de retour. Et après, dans les expressions à l'intérieur, on met plus d'annotations. Ok, ouais, c'est bien. Alors, on a une affirmation et une question. Donc, la première affirmation vient de Nicolas François, qui est une question, hein, mais dans laquelle il y a du ressenti derrière. Enfin, un outil vraiment en mesure de mesurer la fameuse dette technique pour l'interrogation. Donc, il faisait Oui. écho à ce que tu expliquais sur le fait qu'observer du code qui est traduit de manière un peu étrange peut en général amener à une re-réflexion de l'implémentation originale. Alors, donc là, le c'est que quand on fait la traduction vers Coq, langage Coq est beaucoup plus strict que Cabol, dans le sens où, par exemple, il n'y a pas les effets ou il n'y a pas les fonctionnalités avancées de Cabol. Du coup, ça force, si on veut que la traduction marche bien, à ne pas être trop utiliser d'effets et ne pas utiliser trop de fonctionnalités avancées de Camel. Donc ça a tendance, je pense, à simplifier le code, à rendre plus maintenable. On peut voir ça comme un limiteur. Après, pour ce qui est de la dette, ouais. Je pense qu'il y avait un côté un peu rhétorique dans la question. Alors, il y a une autre question pour laquelle Gabriel Char vient de fournir une réponse. Mais donc, je cite Thomas. Question de Newb, mais quelles sont les garanties que l'on peut avoir avec la preuve qu'on ne peut pas avoir avec des tests dirigés par les propriétés? Donc, la preuve, on va pouvoir vérifier l'intégralité des cas. Donc, les tests vérifiés par les propriétés, ouais, ça va être un nombre fini, même si c'est généré aléatoirement, il peut y avoir des corner cases qu'on ne touche pas. Ce qui est sympa avec les preuves aussi, c'est qu'on peut exprimer des propriétés assez générales de façon purement mathématique, sans avoir à les calculer. Et donc, des propriétés qui peuvent être. Tu aurais calculé par exemple en Tezos, on a un système de stockage qui fait plusieurs gigaoctets sur des données réelles. Et si on doit vérifier des invariants sur ce système-là de plusieurs gigaoctets à chaque étape du code, par exemple, ça prendrait beaucoup trop de temps pour les tests. Et là, en Coq, on peut exprimer des invariants arbitrairement complexes.
qu'on va vérifier à toutes les étapes. Parce que ça coûte rien, on calcule rien en fait. On est vraiment en train d'exprimer et vérifier les théorèmes mathématiques. Magnifique. Je pense que c'est une très bonne réponse et je te laisse continuer. Donc là, c'était pour montrer la définition de qu'est-ce une comparaison valide. Quand on clique dessus, on voit qu'on définit ce que c'est qu'une comparaison valide. Essentiellement, on dit que quand on compare et qu'on renvoie à zéro, alors c'est que les deux valeurs sont égales et qu'on a les propriétés de symétrie, de transitivité sur les inégalités. Alors, on a un chat qui se réveille et qui fait preuve d'une interactivité remarquable. Romain Lecomte pose une question qui n'est pas tout à fait corrélée avec la présentation, mais qui, je pense, est tout de même intéressante, qui demande quelle est la relation entre type dépendant et preuve. Ce qui est une question un peu excessive, étant donné que tu n'as pas du tout parlé de type dépendant. Dans le système Coq, les preuves sont implémentées grâce à des types dépendants. C'est-à-dire que les preuves, ça va être des programmes qui utilisent des types dépendants. Donc, je ne sais pas si c'est fondamental aux preuves, dans le sens où il y a d'autres systèmes qui n'utilisent pas les types dépendants, comme Isabelle, et qui permettent quand même de faire des preuves. Et dans Coq, c'est assez élégant la façon dont c'est fait via les types dépendants. Nous, pour ce qui est du code qu'on génère à partir de Camel, on n'utilise pas de type dépendant. Généralement, c'est plus simple d'avoir du code sans type dépendant et de conserver les types dépendants pour les preuves, à mon avis. Et en plus de ça, le code Camel n'a pas de type dépendant lui-même, du coup, on essaie de ne pas en rajouter en sortie. Mais voilà, il y a un truc qui est assez élégant dans Coq, c'est que le langage qui permet de faire des preuves et le langage qui permet d'écrire des programmes, en fait, c'est le même. Et grâce au type dépendant, le langage de programmation de Coq est suffisamment expressif pour qu'on puisse aussi faire des preuves avec. C'est la façon dont c'est fait en Coq. C'est pas intrinsèquement lié aux preuves, forcément, je pense. Donc, après, ouais, je vais revenir au transparent. Voilà, du coup, si des gens veulent contribuer aux preuves, vous pouvez aller sur le dépôt GitLab. Et on essaie de vérifier un maximum de propriétés. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Comme vérifier les primitives qu'il y a dans l'environnement, y compris des primitives sur les listes, les maps et les sets, par exemple. Même les strings. Puis après, avec tous les fichiers qu'il y a dans Tezos, il y a du travail pour des mois et des mois pour vérifier des propriétés dessus. Si vous voulez travailler dessus, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, dans Tezos, tout le travail qui est fait est forcément en open source. Alors, on a encore une question qui est présentée par la personne qui pose la question comme étant une question un peu vague. Donc, question un peu vague peut-être, mais écrire des logiciels sans bug, ça vend du rêve. A-t-on une idée de à quel point Coq ou équivalent, par exemple Isabelle, est adopté dans l'industrie? Alors, je pense que c'est encore relativement peu utilisé. Le principal exemple avec Coq, c'est compilateur C et Compcert, qui a été testé comme étant extrêmement fiable par des gens qui ont testé plusieurs compilateurs C en balançant des programmes générés aléatoirement, essayer de les faire planter. C'est le seul compilateur qui a eu quasiment aucun bug. Après, les méthodes formelles sont utilisées dans le côté pour le matériel, pour les microprocesseurs, par exemple. Ça, je ne connais pas trop. Sinon, c'est utilisé ce qui est aérospatial, armement. Et pour les crypto-monnaies.
Donc, notamment la vérification des smart contracts, qui sont des programmes qui tournent sur la blockchain et qui peuvent être exécutés par n'importe qui pour transférer de l'argent si on a envie qu'ils soient protégés. Et aussi pour l'implémentation de crypto-monnaies elles-mêmes, comme avec Tezos. Mais, tu penses que c'est un problème de connaissance de ça, parce que c'est des choses assez peu enseignées, ou c'est vraiment le coût d'investissement dans ce type de technologie qui est bah voilà, qui bloque l'usage? Je pense que c'est quand même pas mal enseigné quelque part, dans le sens où beaucoup de gens ont vu de tels outils lors de leurs études, même s'ils ne peuvent pas les appliquer plus tard. Donc je dirais que c'est surtout un problème de coût. Mais déjà, écrire des tests, souvent c'est considéré comme coûteux. Et là, c'est encore plus compliqué que de faire des tests. Donc, difficilement accessible et justifiable financièrement pour beaucoup de projets. Et un de nos espoirs aussi en travaillant sur ce projet avec Tezos, c'est de rendre les choses plus simples. Voilà, en permettant aux gens de continuer à coder en OCaml et en se traduisant vers Coq, il y a quand même une grosse communauté derrière, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour automatiser l'épreuve, notamment. La personne qui a posé la question réagit en disant on a envie de voir ça partout, dans les jeux vidéo, dans le web, etc. Et alors Nicolas François demande si ça peut s'utiliser dans le système d'intégration continue, ou potentiellement de déploiement continu. Là, j'ai pré-répondu en disant que oui, puisque c'est intégré à la CI de Tezos. Oui, on le lance dans le CI de Tezos. Pour l'instant, on ne vérifie pas les preuves, etc. Parce que souvent, en fait, ça ne marche pas. Et du coup, c'est manuellement qu'on génère une fois par semaine le code et qu'on le vérifie. Mais à terme, ça pourrait être totalement intégré au CI une fois que les développeurs OCaml sont bien habitués. On préfère le faire en deux temps pour l'instant. Merci, nous te laissons continuer. À terme. Donc voilà, donc c'est pour reprendre les avantages de la méthode. Donc, on peut vérifier nos tests dans tous les cas potentiellement. On a pu trouver déjà deux, trois petits bugs. Et aussi, ce qui est bien, c'est que du coup, quand le code OCaml évolue, on peut relancer les preuves qui ont été écrites. Et du coup, nos preuves ne seront jamais perdues. Et plus on aura de preuves, plus on pourra s'assurer que quand le code CAML évolue, on n'introduit pas de régression. Et bien sûr, de temps en temps, quand le code CAML change trop, il faut réécrire l'épreuve. De même que quand le code source change trop, il faut réécrire certains tests. Donc là, comme travail restant, il y a tout le fait d'intégrer plus de monde au projet, notamment les développeurs CAML, qui puissent facilement interagir avec les preuves Coq, même s'ils ne connaissent pas. Et notamment, ce qui serait bien, ça serait de pouvoir prendre les tests qui sont écrits en CAML, les traduire vers du Coq et vérifier que ces tests-là sont valides dans tous les cas. Donc, on prend des tests qui sont écrits sur une valeur particulière, on les généralise et on montre qu'ils sont vrais tout le temps. Ça permet aux développeurs CAML qui connaissent leur code d'exprimer les propriétés qu'ils veulent et de les vérifier derrière. Et après, ce qui serait bien, ça serait de vérifier d'autres parties que le code du cœur de Tezos, s'il y a des bibliothèques critiques, des outils comme LIGO, par exemple. Ah, voilà, c'est possible de contribuer sur le projet en allant sur le site. Et dans Tezos, on a un Slack qui est ouvert sur invitation. Si des gens veulent contribuer, ils peuvent... moyen de les inviter sur le Slack. Donc là, je ne sais pas trop combien de temps il me reste. Je pense que ça dépend un peu de Gabriel, mais a priori, on n'impose pas de limites spécifiques aux intervenants. D'accord. Là, je vais montrer comment Coq of OCaml marche lui-même, quelle partie du langage CAML il supporte vraiment. Donc le fonctionnement de Coq of OCaml est relativement simple, dans le sens où on va utiliser le compilateur CAML pour faire le typage du code. Et on va partir de l'arbre de syntaxe typé du code CAML.
Et ensuite, via CocoFocaml, on va faire la traduction vers un ASTCoc, qui sera essentiellement en une seule passe. Il va exploiter les informations typage données par le code CAML pour des annotations de type à certains endroits, notamment. Et ensuite, on va pretype printer le code pour qu'il soit bien formaté dans Coq et qu'il soit lisible par un humain en gérant les retours en ligne et l'indentation, notamment. Donc, il y a quelques passages où on fait plusieurs passes, notamment pour les modules et les types fantômes, par exemple. Mais pour la plupart, c'est une traduction 1-1 ou unitaire dans tous les sous-expressions CAML et on génère le code coq qui correspond modulo la syntaxe. Je pense que c'est 6000 lignes de code. On produit toujours une sortie. Donc même si le code CAML n'est pas géré, on essaie quand même de générer un trou dans le terme coq produit pour qu'on ait toujours une idée du résultat, puisse éventuellement le modifier à la main. Et on génère des messages de warning pour toutes les sous-expressions où il y a eu un problème. Dans ce qu'on gère, on gère le cœur de CAML. Donc, définition de fonction, définition de variable avec des lettres, le pattern matching pour analyser des expressions. On gère les définitions de type. Donc, notamment, en CAML, il y a les records pour définir des types avec plusieurs champs, les types algébriques pour définir des types avec plusieurs cas, les types synonymes, pour faire des types mutuellement récursifs qu'on gère dans les cas qui sont gérables en coq. Donc, notamment dans les types mutuellement récursifs en coq, il faut qu'il y ait au moins un type qui soit algébrique. Pour les modules, donc, le système de modules de CAML, il a un mécanisme de foncteur qui permet de faire des modules paramétrés. Un support des foncteurs. Un support des signatures qui permet qui vont avec les foncteurs qui permettent de définir le type d'un module pour dire quelles valeurs sont présentes dans le module. Et on supporte aussi les source class modules. C'est une fonctionnalité un peu avancée de CAML qui permet de manipuler des modules comme des valeurs dans des fonctions et qui sont pas mal utilisées dans l'interpréteur Michelson de Tezos. Donc, on devait les supporter. J'ai un type existentiel qui existe aussi en coq. Il peut y avoir des projets qui sont répartis sur plusieurs fichiers, comme on l'a vu. Et donc, on utilise le système Merlin de coq qui permet de gérer de façon uniforme selon beaucoup de projets la compilation, donc c'est pratique pour nous. Et on gère les fichiers ML avec les définitions et aussi les fichiers d'interface MLI où là, comme c'est juste des fichiers d'interface, on va générer un axiome par définition. Vu qu'on n'aura pas côté coq accès à la définition, mais on pourra au moins avoir la signature du type. Ce qui est partiellement géré, il y a les GADT de CAML qui sont des types algébriques avec des paramètres de type qui peuvent varier en fonction des constructeurs. Ça, il n'y a pas de fonctionnalité équivalente en coq. Les types dépendants ne sont pas équivalents à ça. Et ça nous embête un peu parce que dans le code de Tezos, c'est beaucoup utilisé. Et donc, le truc qui marche pour l'instant, c'est d'effacer tous les paramètres de type et d'utiliser des axiomes de cast. Mais voilà, on a des solutions qui marchent dans les cas particuliers, mais on n'arrive pas encore à gérer le cas général et on va peut-être utiliser des solutions ad hoc pour gérer juste le GADT de Tezos. Il y a les variants polymorphes en CAML qui permettent de définir des constructeurs avec backquote sans les déclarer. Là aussi, il n'y a pas d'équivalent en coq, on ne le gère pas. Si les types extensibles, on peut définir un type algébrique et le remplir petit à petit en CAML sans l'équivalent en coq. Donc à chaque fois, là, on utilise des axiomes pour le gérer. Et les choses ne sont pas du tout traduites. Donc il y a l'orienté objet qui est peu utilisé en CAML, je pense. Et ensuite, les effets de bord. Et notamment les exceptions, les références pour modifier des valeurs, ce qui est entrée-sortie, avec les prints, par exemple.
Ça, dans la plupart des programmes, il y en a. En style fonctionnel, on essaie d'en faire le moins possible ou du moins localiser dans un ou deux fichiers, d'avoir le maximum du reste du code purement fonctionnel. Et nous, on va être capable de traduire que la partie purement fonctionnelle. Donc, là, on a de la chance, c'est qu'avec le code de Tezos, presque tout est écrit en style purement fonctionnel en utilisant des monades. Je peux avoir des exemples de code, mais ouais, par exemple, dans cette fonction-là, en fait, on est dans une monade m égale point interrogation, qui veut dire qu'on peut avoir accès aux entrées-sorties et aux erreurs, aux exceptions. Et on utilise des lettres monadiques avec cette notation-là. Pour ceux qui connaissent les monades en coq, on peut les représenter, et c'est même la seule façon pour représenter des effets de bord. Mais sinon, quand les effets de bord sont utilisés directement hors monade, avec des exceptions de camel, par exemple, à gérer, et un projet de Marigold qui vise à pouvoir les gérer de façon automatique. Donc, on espère que ça va pouvoir marcher dans un maximum de cas, mais aujourd'hui, c'est la principale barrière pour utiliser CocoF ou camel, je pense, sur des programmes camel génériques. Donc, comme difficulté, oui, les fonctions récursives dont on a parlé déjà un petit peu, ou en coq, les fonctions doivent forcément terminer. Et la vérification faite par coq pour savoir si une fonction termine ou pas est assez basique. Et du coup, des fois, on est obligé juste de désactiver cette vérification-là pour que coq accepte les définitions récursives. Alors, je me permets de réintervenir, excuse-moi, parce qu'on a eu plusieurs questions. Donc, on a une première auquel tu avais partiellement répondu en début de présentation, qui était « Existe-t-il un coq of Haskell et ou un coq of Helm ?» Et puis après, une provocation gratuite qui sont plus fonctionnelles que camel. Et donc là, Gabriel explique que HS2Coq existe, mais tu en avais parlé au début en expliquant que c'était quand même moins évolué. Après, je n'ai pas peut-être ça a changé maintenant, mais j'en ai entendu parler à l'époque. Alors, Valentin demande si vous utilisez quelque chose comme Interaction Trees pour ça. Et donc, je suppose qu'il parle de la traduction vers des programmes à effet. Après, je connais tous les... Oui. Alors, là, quand on traduit les monades, en fait, on peut définir ce qu'on veut, dans le sens où, ici, on traduit un fichier avec... lettre monadique, mais ensuite derrière ce lettre, il peut être on le définit à la main en fait. On définit que c'est une notation pour cet opérateur là qu'on a défini à la main. Et on peut très bien, à la place d'avoir cette définition là, utiliser la définition qui fait appel à une bibliothèque comme Interaction Trees. Et du coup, on pourra utiliser Interaction Trees dans notre code généré. Est-ce que naïvement, avant que je passe à la suite des questions, est-ce que quelqu'un peut donner une définition, enfin une explication assez brève de ce que sont les arbres d'interaction pour les incultes comme moi? Ouais, moi, je ne saurais pas dire. On pourra en parler après. Alors, dans les questions qui suivent, Nicolas François demande « Dans quelle mesure la lisibilité du code généré est-elle importante? Le sera-t-elle toujours lorsque le projet sera plus vieux ?» Oui, alors ça effectivement c'est une question, ça je ne sais pas. C'est un choix qui a été fait dans CocoF ou camel de générer du code qui soit toujours lisible. Mais déjà si on veut supporter plus de fonctionnalités, on va être obligé d'accepter d'avoir du code un peu moins lisible pour utiliser plus d'encodage. Pour donner un fragment de réponse, l'argument principal de BuckleScript à l'époque où il est sorti était qu'il produisait un output plus lisible. Et qu'en fait, il est plus facile de produire un output lisible qu'un source map utilisable. Et donc, dans certains cas de figure, le débuggage était bien. Et alors, la dernière question qui a été posée actuellement de Hakim, il demande, mais est-ce qu'il est envisageable d'avoir l'équivalent d'un coq of XXX pour des langages un peu plus moins sûrs, comme par exemple JavaScript
Ouais, alors moi je pense que oui. Ça, c'est un truc que je voudrais développer par la suite. Et je pense qu'en fait, fondamentalement, ce qui compte, c'est que le code source soit fonctionnel et typé. Et après, on peut convertir à peu près n'importe quel type de langage. Donc, normalement, on fait du Scala, par exemple, du Helm, ou aussi du JS écrit avec TypeScript, si on se restreint au fragment fonctionnel. Ça converge globalement avec ce que dit Gabriel Chor dans le chat, mais on te laisse D'accord. continuer. Ok. Cool. Une difficulté, c'est le système de modules. Donc en CAML, on peut définir des signatures de modules comme source, où on va dire qu'on a un module dans lequel on a un type, sans spécifier lequel, et on a une valeur x qui est de ce type-là. Ensuite, on pourra donner des implémentations du module source en donnant une valeur concrète au type t et une valeur concrète à la valeur x. CAML va vérifier qu'on a bien x qui est de type t, ou ce qui est de type int. La façon dont on traduit les modules en coq, c'est en utilisant des records. Donc, on n'utilise pas trop le système de modules de coq. Et la raison, c'est qu'on trouve que c'est plus simple pour faire des preuves en utilisant des records que des functeurs dans coq. Et aussi, ça nous permet de gérer les modules de première classe de CAML, qui sont des modules manipulés en tant que valeur, et qui étaient nécessités au début du projet pour gérer l'interpréteur JQuestion de Tezos. Donc là, la signature, on va la traduire vers un record avec un champ T pour le type T, une valeur X de type T. Et pour l'équipe abstrait de CAML comme type T, on va avoir une variable polymorphe côté coq pour dire que notre signature, elle marche en fait quel que soit le type T. Et ensuite, pour la définition du module M, on va faire des définitions comme elles sont faites dans CAML, sur le type T et la valeur X. Et ensuite, on va empaqueter ça dans un record où coq, il va nous inférer le type T en fait automatiquement. Du coup, donc comme ça, on va avoir à la fois la syntaxe comme dans CAML où on définit notre module, les champs, et à la fin, un record qui nous permet de le manipuler en module first class s'il y a besoin, ou de faire des preuves sur le module M, en exprimant des propriétés directement sur le record. Donc, avec les modules sur le record, on va aussi pouvoir du coup, gérer les first-class modules et les functeurs qui sont des fonctions sur des records. Donc, le code avec effet, comme j'ai dit, n'est pas géré, sauf quand on écrit le code en style monadique. Et donc, une des difficultés, si on veut gérer automatiquement, je pense que ça va être le faire de l'inférence d'effet. Pour savoir, par exemple, quand une fonction génère des exceptions, ça veut dire que toutes les fonctions qu'il appelle peuvent aussi générer cette exception-là. Tu vas être capable de tracer l'usage des exceptions. Ça, c'est non trivial et pour un projet de Marigold, devrait s'y attaquer. Au niveau des types, donc on a un type qu'on ne gère pas, donc les GDT, les types extensibles, on utilise des axiomes pour l'instant. Toujours pas trouvé de bonne solution. Et voilà. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. Mille merci, vraiment mille merci. Je propose, alors si pour toi Gabriel, c'est pas trop tard, je propose approximativement 15 minutes de questions-réponses. Moi j'en ai trois, j'ai trois questions. Donc en fait, la première elle est assez technique. On a appris récemment que CAML 4.14 sera la dernière version de CAML en 4.x et qu'on allait passer à CAML 5. Qui introduira des gestions d'effets avec des fonctions. Et en fait, est-ce que, enfin, je pense qu'il existe une manière assez naïve de transformer des programmes qui propagent des effets quand les effets sont traqués explicitement dans un style indirect, avec par exemple des frimonades ou
ou de la réification malade. Et est-ce que ça aura une incidence? Enfin, est-ce que déjà, est-ce que tu y as pensé, c'est dans ton esprit ou Pardon, j'ai pas trop regardé les effets Tandler, des prochains camels. Donc je sais pas trop. Je pense que côté coq, il n'y a que les monades qui marchent bien pour présenter les effets, pas à ma connaissance. Et du coup, les effets Tandler, ils devraient avoir besoin de faire une transformation d'une façon ou d'une autre. Ok. Alors ma deuxième question, en fait j'avais que deux questions et pas trois. admettons par exemple que... Ah non, si j'ai trouvé la troisième. Donc moi j'y connais absolument rien en preuve, mais la perspective de pouvoir aider est vachement chouette. Et donc, est-ce que même pour quelqu'un qui n'est pas très très bon, enfin qui n'a aucune culture de coq et de preuve formelle et même de système de type, est-ce qu'il est possible de contribuer intelligemment ou ce serait plus une perte de temps? Alors, j'ai fait une page contribute, peut-être que je Ok. mette à jour, mais qui explique un peu des exemples simples pour démarrer. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore grand-chose. Là, je pointe vers le fait que probablement les maps, c'est un truc à vérifier, ou les listes. C'est des définitions de base avec plein de fonctions, des propriétés à vérifier. Et Je donc, pense que c'est quand même. excuse-moi, vas-y. Bon, il faut que je rajoute de la documentation. Là, aujourd'hui, la principale documentation pour l'épreuve, c'est de regarder le blog qui donne des exemples. Et voilà, il faut que les gens se forment à toi aussi, ce qui est non trivial. Un peu de temps. Et quel niveau de tolérance tu as au fait qu'on te harcèle pour te poser des questions? Ben, je pense que c'est bien, ouais, vous pouvez Ok. envoyer. Ou la prise de risque. Et donc, ma troisième question, et il n'y en aura pas quatre de ma part, enfin, pas quatre dans ce batch de questions, c'est moi, sur mon temps libre, j'ai développé une bibliothèque qui est discutablement utile en OCaml et qui permet de programmer comme quand on fait du Haskell. Et donc, en fait, ça implique qu'on a énormément de lois. Et ces lois, en fait, sont vérifiées par les tests et dirigées par les propriétés. Ce qui est assez embêtant à écrire en règle générale, ce qui fait qu'on a tendance à ne pas les faire, ne pas les écrire, puis quelqu'un d'autre les écrit après. Est-ce que c'est envisageable, par exemple, d'exprimer les lois monadiques avec CocofOCaml, donc extraire la bibliothèque en coq et puis fournir Oui. des lois dessus, enfin vérifier des lois dessus? Oui. Ok. Et alors, C'est Jean-Christophe Léchenet pose... Ah, pardon, excuse-moi. bon, oui, du coup, ça peut être fait soit en apportant les tests qui sont en camel, soit directement en coq. Ça peut être plus simple si on le fait directement en coq aussi. Ça peut être l'occasion d'apprendre. C'est hyper chouette. Et alors, Jean-Christophe pose une question. C'est est-ce que le fait que le code OCaml doive passer la traduction et qu'on puisse faire des preuves sur le code coq obtenu incite les développeurs à écrire du OCaml plus simple ou plus propre? Ah oui, je pense à un site à faire du quand même plus simple dans le sens où ça limite l'usage des effets un peu partout. Et plus simple aussi parce qu'on peut moins utiliser de fonctionnalités avancées. Et je pense que Coq, les contraintes de Coq sont faites pour simplifier le raisonnement. Et quelque part, c'est des contraintes qui correspondent à avoir du code plus propre. Code propre, c'est aussi un code sur lequel on peut raisonner facilement. Du coup, savoir si on est traduisible vers Coq facilement, c'est un peu un test, à mon avis, qui est pas mal pour savoir si le code est raisonnablement propre en entrée. Alors, Nicolas François demande s'il y a des ressources pour apprendre Coq. Donc, la réponse est oui. Je pense que. Je ne sais pas si tu as des références à recommander, Guillaume. Oui. Après, il y a le site officiel de Coq qui donne la documentation de référence. Après, il y a différents tutoriels. D'ailleurs, apparemment, ils ont les liens ici. Je vois que Gabriel Post Software Foundation. Qui est indéniablement très D'accord. très intéressant et qui demande beaucoup de temps. Il y a aussi programmer avec des types dépendants, certificat de programming, ouais, celui d'Adam, je sais pas là, Oui. qui en fait, de mon point de vue, beaucoup plus accessible. Alors je dis ça en n'y connaissant pas grand-chose en coq, hein, mais je trouve qu'il est plus facile à lire à titre personnel. Oui, il y a les liens ici. Je pense que ça, il y a énormément de gens qui codent avec des styles différents. Il y a encore un petit côté expérimental et donc aussi des fois, ça peut se perdre dans les documentations, j'ai l'impression. Mais faut pas hésiter à explorer et à se dire
qu'il y a plusieurs styles dans l'écriture de coq, et des fois, quand on ne comprend pas quelque chose, c'est juste que les gens écrivent dans un style différent. Il ne faut pas avoir peur de ça, à mon avis. Et comme Guillaume a dit qu'il était extrêmement ouvert au harcèlement, oui. je plaisante. Puis, qu'est-ce que le chat a d'autres questions ? Le chat ne semble pas avoir d'autres questions. Et donc, en tout cas, Guillaume, je te remercie vraiment énormément pour cette présentation. Ah oui. Qui était vraiment extrêmement intéressante. C'était merci vraiment pour très, l'invitation et les questions. Et avec joie. tu reviens quand tu veux. Et donc, je propose de laisser la main à Gabriel. Et donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser dans le chat. Parce que ce n'est pas toujours facile de poser des questions publiquement comme ça. Mais en tout cas, mille merci. C'était vraiment hyper chouette.